Europe qui, par ailleurs, veut un vaccin pour l'automne prochain et il nous viendra peut-être de l'Allemagne, Hélène Kohl. Les 54 employés de l'entreprise biopharmaceutique CureVac dans le sud-ouest de l'Allemagne ont commencé leur recherche sur le coronavirus très tôt, dès le début du mois de janvier. Et ils travaillent plus vite que les autres laboratoires grâce à une nouvelle technologie, explique l'ingénieur Florian van der Mulbe. Nous avons développé une plateforme pour réagir très vite face aux nouvelles menaces. Et cette technologie génétique ARN nous permet de penser que nous aurons des solutions à court terme. C'est sur cette base que nous travaillons au vaccin. Autre avantage, cette technologie permettrait de fabriquer le vaccin dans les locaux même de CureVac. Là encore, on gagne du temps et aussi de l'argent. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne et médecin de formation, a contacté l'entreprise en personne lundi. L'Union européenne leur fournit jusqu'à 80 millions d'euros. J'espère qu'avec ce soutien, nous pourrons avoir un vaccin sur le marché avant l'automne. Ce sera un vaccin pour le monde entier, affirme le propriétaire de CureVac. Il dément avoir reçu une offre financière de Donald Trump pour produire le vaccin rien que pour les États-Unis, mais il confirme avoir été approché par Washington. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.